Dix jours après l'adoption par Washington de nouvelles sanctions contre Moscou, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, a rencontré pour la première fois dimanche Sergueï Lavrov, son homologue russe. Le tête-à-tête s'est tenu en marge d'une réunion des pays du sud-est asiatique à Manille, aux Philippines. Même si Donald Trump a signé avec réticence les nouvelles sanctions infligées à la Russie, les relations avec Moscou se sont refroidies. À Manille, il a surtout été question de la Corée du Nord et de sa menace nucléaire. Rex Tillerson a multiplié les rencontres bilatérales pour resserrer l'étau sur Pyongyang. Samedi, au Conseil de sécurité des Nations Unies, Washington est parvenu à faire adopter de nouvelles sanctions contre le régime nord-coréen, avec le soutien décisif de Moscou et de Pékin.